Waouh, mais t'as acheté quoi comme caméra, mec? Bon, les vidéos les plus vues sur ma chaîne, c'est les vidéos scooter vlog. Bah oui, c'est pour ça qu'il y a un scooter, je vais pas me faire chier à trimballer un scooter pour rien. Alors désolé pour la mise au point, voilà, je me suis fail, mais ça sera réglé dans la deuxième séquence. Alors aujourd'hui, je voulais répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur la vidéo « Comment se passe le BSR ?». Alors c'est une vidéo où je suis très fier de l'avoir fait. Merde, il y a des gens qui arrivent, ça c'est gênant ça. Ah non, non, ça c'est malaise ça. Hein. Bon. Dans ce portable, ouais, Samsung, ouais. Je vous ferai une vidéo pourquoi j'ai un Samsung. Bonjour. La calotte, c'est moi. Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de personnes qui stressent pour quand ils vont passer le BSR. Il ne faut pas besoin de stresser. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo, bah, vous êtes obligé de l'avoir, entre guillemets. Alors, il y a beaucoup de débats, entre guillemets, c'est scooter VS 50. Alors, moi, je vais vous répondre, ça dépend des cas que vous avez. Alors, un scooter est moins cher qu'une 50 CC, et ça dépend de votre utilisation. Un scooter, ça vous permet d'être en ville, etc. C'est fait pour ça. Une 50, c'est pour faire plus de routes, aller dans les virages et bien vous amuser. Alors, un scooter, c'est un peu plus chiant à conduire. Pas chiant parce que c'est technique et tout, c'est juste que vous avez juste à tourner une poignée. Une 50, c'est plus différent, vous avez des vitesses à passer, l'embrayage, frein et tout. Si vous avez peur d'être paumé sur la route ou peur d'être déconcentré à cause de ça, prenez un scooter. Moi, le plus sécurisant, vraiment, c'est le scooter, je vous conseille. En plus, c'est pas cher et puis dites-vous que vous allez avoir le permis dans pas très longtemps, normalement. Aussi, un scooter, alors je vais peut-être me tromper, c'est moins dur à entretenir qu'une 50. 50, faut bien s'y connaître en mécanique. Alors, une autre question qui a été beaucoup posée, c'est si vous avez perdu votre ASSR 1, comment on fait? Alors, c'est très simple, c'est des démarches, en fait, que vous faites au collège. Alors, il y a aussi une question, est-ce qu'il faut l'ASSR 1 ou 2? C'est l'ASSR 1 et l'ASSR 2, c'est pour les voitures. Ah, le 1, c'est pour le cyclo, et le 2, c'est pour l'auto. Voilà, si ça vous permet de retenir. Et du coup, si vous n'avez pas ces documents-là, enfin, l'ASSR 1, du coup, bah, vous ne pourrez pas passer le BSR. Vous ne pouvez pas passer. Voilà. Retenez bien ça. Ah bah c'est bon, je suis pas un cassos, hein. J'ai retenu. Pas besoin de t'énerver, mec. Pff, ils sont stressés, mes personnages, aujourd'hui. Oui, c'est des personnages. Bah oui, j'ai pas de budget, le confinement, 1 mètre de distance et tout. Là, on n'est plus en confinement, heureusement. Alors, concernant la tenue qu'il faut avoir, vous n'êtes pas obligé d'avoir un blouson de motard et tout. Mettez-vous juste pas comme ça, pas en t-shirt, et mettez un pantalon. Alors quand vous roulez en scooter, retenez bien, il faut être équipé. Si vous tombez, ben, vous êtes un steak haché sur la route. Alors dès que vous avez votre BSR, enfin quand vous avez passé vos 2 jours du coup, vous pouvez tout de suite conduire. Alors le lendemain bien sûr. On va vous donner un petit document en fait qui dit que vous avez passé votre BSR. Et après une semaine, vous avez la fameuse carte du BSR. Alors il y a beaucoup de questions aussi sur mon scooter, c'est un Peugeot Tracker Furious. Voilà, c'est ça, il est très Furious, c'est impressionnant là, c'est waouh. Alors, autre question, est-ce que si on tombe, est-ce qu'on le rate? Alors, pas du tout, je vous dis, c'est obligatoire de l'avoir, même si vous tombez, on va vous donner des conseils. Alors, petite erreur aussi que j'avais faite le premier jour, c'est ces petits trucs-là, réfléchissants, il faut les avoir de gauche à droite, en arrière et devant, voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont reconnu où j'ai tourné la vidéo. Oui, c'est en Vendée, pour ceux qui se demandent. Du coup, merci aux Vendéens qui sont tombés sur la vidéo. Vive la brioche! Alors il y a un commentaire qui m'a fait assez rire et rager en même temps. T'es con ou quoi? On peut pas rouler à 130 en scooter? Mais le mec parle vraiment comme ça, je l'ai entendu. Si, on peut rouler en 130 en scooter, mais il faut le débrider, il faut avoir plein de kits, bref, des trucs... Mais on peut rouler à 130 en scooter, avec ça on peut rouler, mais il faut quitter, c'est pas d'origine, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent si mon scooter est débridé aussi. Oui, il est débridé de base parce que je l'ai acheté d'occasion. Le mec, il l'a bien débridé. Voilà, pour ceux qui se demandent, ça va jusqu'à 60, 70 en descente. Voilà, avant j'arrivais à aller à 70, mais maintenant il fatigue un peu. Alors ça, c'est une question que je me suis posée aussi. Est-ce qu'on doit ramener un scooter? Non, ne vous inquiétez pas, ne vous trimballez pas avec un scooter dans une remorque. Ils vous fournissent les scooters, alors ça dépend des auto-écoles, mais voilà. Et après, vous achetez votre scooter et vous pouvez le rouler. Fais des roues! Alors, faire des roues, faut gérer le scooter. Et quand t'as un guidon qui est pas droit, c'est dur. Et c'est pas trop mon truc. C'est peut-être stylé pour vous, mais pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de stylé quand tu fais des roues. Fin... Pour terminer, en vrai, retenez juste en tête que le scooter ira où vous regardez. Ça, c'est vraiment le conseil que je peux vous donner et je pense que tout motard va vous donner. Bref. J'espère avoir tout dit dans cette vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis... à bientôt pour de nouvelles vidéos.